سبعة. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Donc aujourd'hui, on va parler, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va parler des mérites, des avantages de la tijaniya, les avantages du disciple de Sayyidina Shahma de Tijani, radiallahu ta'ala anhu wa ta'ala. Fi fadli al-muta'alliqina bihi radiallahu ta'ala anhu wa radahu wa ana bihi بأي وجه من وجوه التعلقات. Donc, dans le Rimah, le livre qu'a fait Cheikhana Al-Hajj Omar, et sur la Tariqa, il a énuméré les différents points, donc les mérites du disciple, celui qui pratique le wird de Tijani, parce que c'est le cheikh radiallahu anhu, il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqzatan, donc à l'état de veille, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait manifesté beaucoup d'amour et beaucoup de sympathie et beaucoup d'affection. Et de ce fait, Sénéchal radiallahu anhu avait écrit, il avait pris une feuille et il a écrit un texte dans lequel il a demandé un certain nombre, certaines garanties que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a accordées. Mais il a pensé à ses disciples, à ses sympathisants. Et donc, il a parlé d'eux, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que tous, ils rentrent dans cette garantie. Al-Awwal, donc, le premier des mérites, « Anna jadduhu sallallahu alayhi wa sallam damna lahum an yamutu ala l'iman » Donc, celui qui pratique la tijaniya, il a la garantie de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il va mourir avec لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc la foi, et ça c'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas donné, donc c'est pas facile. Et ça le prophète صلى الله عليه وسلم l'a garanti aux disciples tijani. وثاني, le deuxième des mérites aussi, أن يخفف الله تعالى عنهم سكرات الموت. Parmi les mérites de la tijaniya, le disciple tijani, quand il meurt, il meurt pas avec difficulté, puisque parfois il y a certaines agonies qui sont terribles. Et le tijani, quand il meurt comme s'il dormait. Et ça, c'est une garantie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisième garantie. لا يرون في قبورهم إلا ما يسرهم. Le tijani, quand il rentre dans sa tombe, il ne voit que ce qui lui fait plaisir. Donc, il ne va pas avoir peur. Il sera pas, il subira pas des supplices dans la tombe. Donc, il ne verra que ce qui lui procure des plaisirs, et mashallah. Warabih, quatrième mérite dans la tijaniya aussi, an yu'amminuhum Allah ta'ala min jami'i anwa'i azabihi wa takhwifihi wa jami'i shururi min al-mawti
إلى المستقر في الجنة. Donc, ils ont l'assurance, les Tijani, il a l'assurance de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de toute forme de punition, toute forme de difficulté, toute forme de peur et toute forme de mal aussi, depuis sa mort jusqu'à ce qu'il rentre au paradis. Il a l'assurance, il est assuré et il ne verra rien de tout cela. Ça c'est le quatrième des mérites. Tout ça c'est garanti par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wal khamis, le cinquième des mérites, an yaghfir Allah ta'ala lahum jami'a dhunubihim ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhar. Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne tous leurs péchés, les anciens comme les plus récents. Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tout. Et ça, c'est, ça fait partie des mérites, donc ça fait partie des garanties que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a donné à ses neshakhma de Tijan sur Rabbi Allah. Alors, donc, wa sadis, sixième des garanties aussi, أن يؤدي الله تعالى عنهم جميع تبعاتهم ومظالمهم من خزائن فضله عز وجل لا من حسناتهم. Donc, c'est pas facile de vivre, d'avoir des rapports avec les gens sans que parfois on ait des haqs, des hukuk sur les gens. C'est-à-dire, quand on est quand on doit quelque chose à quelqu'un, c'est mieux de se faire pardonner. Et quand on a une dette par rapport à quelqu'un aussi, vaut mieux faire l'effort pour éponger cette dette avant de mourir, parce qu'Allah il va pardonner tout sauf ce qui existe comme problème entre nous musulmans, entre nous individus en général. Donc mais Sénéchal radiallahu anhu, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que les disciples de la Tijaniya, le jour du jugement dernier, que Allah subhanahu wa ta'ala ne prenne pas leur hasanat pour les rembourser à d'autres à qui ils devaient quelque chose. Parce qu'il y a ce hadith célèbre que nous tous connaissons, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait At-tadrouna manil muflis. Est-ce que vous connaissez, vous savez ce que ça veut dire Al-Muflis, c'est-à-dire, c'est un terme qui désigne quelqu'un qui est fauché, qui n'a rien. Et les compagnons, ils avaient dit Al-Muflis, indana man la mal lahu wa la dirham. Le Muflis, chez nous, c'est quelqu'un qui n'a rien du tout, qui est pauvre, qui n'a même pas un petit sou. Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit que Al-Muflis, c'est celui qui, yawm al-qiyamati, il vient, on a regardé son dossier sur la prière. La prière, tout est normal. Le jeûne du Ramadan, tout est normal. La zakat, tout est normal. Le pèlerinage, tout est normal. Tout ce qu'on regarde, chaque dossier, tout est normal. Mais il avait des dettes par rapport à certaines personnes. Il avait fait du mal à d'autres. Il était injuste par rapport aux voisins, etc., etc. Allah subhanahu wa ta'ala commence à prendre ses hasanat et le rembourse à d'autres. Et quand il aura plus de hasanat, Allah il prend les péchés des autres et les lui donne. Donc c'est ça que Sénéchal radiallahu anhu il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que j'aimerais pas que mes disciples viennent yawm al-qiyama avec beaucoup de hasanat, et parce qu'ils avaient eu des problèmes avec d'autres personnes, qu'ils finissent de perdre toutes les hasanat qu'ils avaient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit que je vous garantis que tes disciples, le jour de Yawm al-Qiyamati, Allah subhanahu wa ta'ala ne touchera pas leur hasanat pour les rembourser à d'autres. C'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui va prendre de ses magasins, de ses réservoirs et remboursera à la place des disciples Tijani. Donc, ça fait partie des mérites de la Tijaniya. Alors, il dit
والسابع السيتيم دي ميريت أن لا يحاسبهم الله تعالى ولا يناقشهم ولا يسألهم عن القليل والكثير يوم القيامة. Le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala ne demandera pas des comptes aux Tijani. Allah subhanahu wa ta'ala ne les interrogera pas et on leur dira rien du tout. Tout simplement, ils passeront comme on dit une lettre à la poste, même plus rapide que ça. Allah ne leur posera pas de questions, pas sur des petites questions, pas des grandes questions, rien du tout, ni sur ce qui est petit, ni sur ce qui est énorme. Allah subhanahu wa ta'ala ne s'occupera pas de leur dossier. Tout simplement, on leur dira allez rentrer tranquillement au paradis en logeant à côté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, wa thamin, huitième mérite de la Tijaniya, an yudhillahum Allah ta'ala fi dhilli arshihi يوم القيامة. Le jour de يوم القيامة, ce jour qui dure 50 000 ans, يوم كان مقداره 50 ألف سنة, 50 000 ans, ce jour qui va être tellement chaud, la chaleur, le soleil va être tellement dur que certains vont tomber, on va croire qu'ils sont ivres. وترى الناس سكرى وما هم بسكرى ولكن عذاب الله شديد. Alors, non, les gens ils ne sont pas ivres. Quand ils tombent, ils n'arrivent pas à se lever, ils n'arrivent pas à marcher, ils n'arrivent pas à reconnaître ni à gauche ni à droite. À ce jour-là, la chaleur fera beaucoup de mal. Et pourtant, ce n'est pas encore l'enfer, ce n'est pas encore le jugement. Tout le monde est là, sous la chaleur, et attend que Allah subhanahu wa ta'ala commence à juger. Attend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, vienne se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala, pour que tout le monde court derrière lui, pour qu'il intercède à leur faveur, pour qu'il plaide pour eux. Mais ce jour-là, cette chaleur-là, ben, les Tijani, ils ne connaîtront pas cette chaleur, parce que ça fait partie des avantages de la tariqa Tijaniya. Eh bien, ils seront sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, tahta zillil arshi rahmani waqifuna. Les Tijani, ils seront sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est plus aéré et plus climatisé que les meilleurs salons qu'on peut imaginer ici sur terre. Alors, wa tasi' neuvième mérite, an yujizahum Allah ta'ala ala sirati asra'u min tarfati 'aynin ala kawahil al mala'ika. Les Tijani, ils vont traverser Sirat, supportés par les anges et avec une vitesse plus rapide même qu'un clin d'œil. Vous savez, un clin d'œil, c'est même pas une seconde. Alors les Tijani, ils vont traverser Sirat, ils vont rentrer très rapidement au paradis parce que ils vont être portés par des anges. والعاشر dixième mérite de la Tijaniya, أن يسقيهم الله تعالى من حوضه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. Les Tijani, ils vont boire sur le lac de Kauthar, حوض Kauthar. Ce lac que Allah subhanahu wa ta'ala a donné au prophète صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. Les Tijani, ils vont boire de ce lac. Ce lac est plus blanc que le lait, plus délicieux que le miel. Et on ne peut même pas le décrire, on ne peut même pas l'imaginer. Parce que tout ce qu'on peut imaginer sur terre, ben, c'est inférieur par rapport aux qualités que contient, que comporte ce lac. Alors les Tijani, ils vont boire de ce lac, et ceux qui vont boire de ce lac-là, ils n'auront plus soif de leur vie. Wal hadi ashar, onzième mérite de la Tijaniya, an yudkhilahum Allah ta'ala al-janna bighayri hisabin wala iqabin fi awwal zumratil ula. Bien, les Tijani, ils vont rentrer au paradis
sans que Allah subhanahu wa ta'ala leur demande des comptes, sans que non plus ils soient punis un peu avant de rentrer au paradis, parce qu'il y en a qui vont rentrer au paradis, mais avant, ils vont faire un passage en enfer, ils vont être punis un peu, c'est ça leur aqab. Ça dépend du temps qu'ils vont mettre là-bas, c'est Allah qui décide. Il y en a qui vont rester un an, il y en a qui vont rester quelques années, il y en a qui vont rester un jour, même une petite minute en enfer, c'est pire que tout ce qu'on peut imaginer sur terre. Qu'Allah nous préserve de ça. Donc les Tijani, ils ne subiront pas de punition avant de rentrer au paradis. Ils ne subiront pas d'interrogatoire. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas leur poser des questions. Et ils vont rentrer au paradis. La première catégorie qui va rentrer au paradis, et les Tijani vont faire partie de cette première catégorie. Donc, الثاني عشر دوزيام مريد دلا تيجانيا أن يجعلهم الله تعالى مستقرين في جنة عليين من جنة الفردوس. Donc les Tijani, ils vont habiter au paradis le plus élevé, جنة عليين et فردوس aussi, là où résident les prophètes, le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم et les autres. Et c'est le Cheikh رضي الله عنه nous explique que la différence entre les Jannah, les paradis, il y en a sept. Mais s'il dit même le premier paradis, si on avait pris quelque chose, un fruit ou un objet du premier paradis, on l'amène sur terre, sa clarté, sa lumière va éteindre la lumière du soleil. On ne va plus voir la lumière du soleil tellement ce petit objet du premier paradis est lumineux. Pareil, si on prend un objet du deuxième paradis, on le met, on le fait descendre au premier paradis, ben ça va éclipser toute la lumière qui existait au premier paradis. Ainsi de suite, jusqu'au septième paradis, Al-Liyina et Firdaus, et c'est là où vont loger et résider les disciples de la Tijaniya. Que la face que l'on soit parmi eux. Alors, il dit... treizième mérite de la Tijaniya, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam yuhibbu kullu man kana muhibban li Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani radiallahu anhu. Tous ceux qui aiment Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani radiallahu anhu, ils sont aimés par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On avait parlé la semaine dernière de Sayyidina Muhammad ibn Arabi Tazi Damrawi radiallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit que c'est parce que tu aimes Cheikh Ahmed Tijani radiallahu anhu que tu as la possibilité de me voir 24 fois par jour. Donc, aimer Cheikh Ahmed Tijani radiallahu anhu, c'est un passeport, un laissez-passer. En tout cas, c'est un moyen d'être aimé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Rabi Ashra, 14e mérite de la Tijaniya. أنا محبه رضي الله عنه سليك أمس إن شعمل التجاني لا يموت حتى يكون وليا avant de mourir il sera un wali. Celui qui aime Cheikh Ahmed Tijani رضي الله عنه, il parle même pas de celui qui a encore pris le wird. Même celui qui n'a pas pris le wird et qui aime Cheikh Ahmed Tijani رضي الله عنه avant de mourir, ça c'est une garantie du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم, et avant de mourir il va devenir wali. Et chaque quinzième mérite de la Tijaniya, anna abu akhiz wirdihi, celui qui a pris le wird, son père, wa azwajihi, ses femmes, wa zuriyatihi, et ses enfants aussi, yadkhuluna al-jannah bighayri hisabin wala aqab. Celui qui prend le wird, déjà son père rentre au paradis, donc ses parents, ses enfants rentrent au paradis, sa femme aussi rentre au paradis. Il couvre ses parents, ses enfants et sa femme aussi. À condition que ses parents ne détestent pas Sayyidina Cheikh, ne haïssent pas Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani radiallahu anhu. À condition que ses enfants, ses femmes aussi, ne haïssent pas et ne détestent pas Cheikh Sayyidina Ahmed Tijani radiallahu anhu. Alors, wa sadisu ashr.
16e mérite de la Tijani, il dit annahum talamizun nabi, talamizun lin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le Tijani est un disciple direct du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dès lors qu'il est disciple de Sénèche Ahmed Tijani radiallahu anhu, il est aussi disciple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa sabi ashar, 17e mérite de la Tijaniya, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam sammahum ashaban lahu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle, décrit les Tijani, les disciples Tijani, comme ses propres compagnons. Qala radiallahu anhu, Sayyidina Cheikh il a dit, radiallahu ta'ala anhu, Qala Sayyidul Wujud, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, il m'a dit, Anta min al-aminin, wa kullu man ahabbaka min al-aminin. Toi, tu es rassuré, et tous ceux qui t'aiment, Cheikh Ahmed Tijani, toi, eux aussi, ils sont rassurés. Anta habibi, wa kullu man ahabbaka habibi. Moi, je t'aime. Tu es mon ami. Et tous ceux qui t'aiment, toi aussi, Cheikh Ahmed Tijani, deviens mon ami. Wa fuqara'uka fuqara'i. Tes disciples aussi sont mes disciples. Wa talamizuka talamizi. Tes élèves aussi sont mes élèves. Wa ashabuka ashabi. Tes compagnons aussi sont mes compagnons. Wa kullu man akhaza wirdaka fahuwa muharrarun min an-nar. Celui qui prend ton wird, c'est sûr qu'il est sauvé du feu. Il est sauvé de l'enfer. Jamais quelqu'un qui prend le wird, il rentre en enfer. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit directement à Sénèche Ahmed Tijani, radiallahu ta'ala. Et quand il le lui a dit, c'était yaqzatan, la manaman. C'était pas dans un sommeil, il le lui a dit à l'état de veille. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne veut pas que les Tijani aient des problèmes entre eux. Quand les Tijani, ils ont des problèmes, les disciples Tijani, ils ont des problèmes entre eux, ça fait mal au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il a dit à Sayyidina Ahmed Tijani, radiallahu anhu, قل لأصحابك لا يؤذوني بإذايتي بعضهم بعدا. Il ne faut pas que tu dis à tes compagnons qu'ils ne me fassent pas du mal en se faisant mal entre eux. Quand les Tijani se font mal entre eux, par des propos déplacés, des propos qui ne sont pas corrects, ou même par des gestes aussi, de mauvais gestes, là, ils font du mal directement au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa thamina ashra, 18e mérite de la Tijaniya, anna kullu man anna kullu ma yu'dhihim fa innahu yu'dhi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui fait mal à un Tijani, ça fait mal directement au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que il ne faut pas faire du mal à un Tijani. Si tu lui fais du mal, tu le fais directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et raison de plus aussi, un Tijani doit être juste, honnête, correct aussi et respectueux. Parce qu'il ne faut pas qu'il donne l'occasion à d'autres de faire du mal au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tant qu'il est juste, tant qu'il est correct, et tant qu'il est honnête, et tant qu'il est respectueux de son wird aussi, là, tous ceux qui le touchent, ils touchent directement le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa tasi ashar, 19e mérite de la Tijaniya, anna l'imam al-muhdi al-muntazir, akhun lahum, fi tariqati. Imam Mahdi qui va venir vers la fin des temps, il sera dans la Tijaniya. Il va prendre la Tijaniya. Ça, c'est une garantie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée à Sénèche Ahmed Tijani. Il va venir, mais quand il va venir, Imam Mahdi, il va prendre la tariqa Tijani. Et Sénèche, il a dit, « Inna jami' al-awliya'i yadkhuluna zumratana » Les awliya, vers la fin des temps, ils vont rentrer dans la Tijaniya. وَيَأْخُزُونَ أَوْرَادَنَا. Ils vont prendre notre wird. وَيَتَمَسَّكُونَ بِتَرِيقَتِنَا. Ils vont rentrer, ils vont prendre la tariqa Tijaniya. حَتَّى الْإِمَامُ الْمَهْدِي.
Donc même Imam al-Mahdi, il va prendre la tariqa Tijaniya. Iza qama akhiru zaman, ya khuzu anna, il va prendre notre tariqa vers la fin des temps. Wa yadkhuluna zumratana ba'da mamatina wa intiqalina ila ad-dar al-baqa. Donc ça c'est le cheikh qui le dit, qui dit qu'en ce moment moi je serai plus sur terre, je serai dans d'autres mondes, mais Imam Mahdi quand il viendra, il va prendre la tariqa Tijaniya. Donc, hein, qu'Allah nous maintienne dans la tariqa Tijani. Alors, Walmoufiyat Ashirin, donc, le 20e mérite de la Tijaniya, Anna Ahl Tariqatihi Kulluhum. أعلى مرتبة من أكابر الأقطاب. Donc la tariqa, si tu prends la tariqa Tijaniya, tu as un niveau qui dépasse les qutbs les plus élevés qui ne sont pas Tijaniya. Même si tu ne le sais pas encore, même si tu n'es pas encore conscient du niveau que tu as. Parce que Seyne Cheikh il a dit لا مطمع لأحد من الأولياء في مراتب أصحابنا حتى الأقطاب الأكابر. Donc même les grands qutb, ils n'atteindront pas les niveaux, les degrés de Tijani, de ce qui fait le wird de Tijani. Mais ça, on ne peut pas le savoir. Et le Sénéchir, il dit ما عدا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, à part les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم. لو اطلع أكابر الأقطاب على ما أعد الله تعالى لأهل هذه الطريقة لبكوا. Si les autres grands qutbs ils avaient vu ce que Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour les gens de la tariqa Tijaniya, ils allaient pleurer. Mais tout ça, on ne peut pas le voir ici sur terre. C'est Yawm al-Qiyamati qu'on voit. Tout ce qu'on parle de la tariqa Tijaniya, c'est pas pour les privilège de ce bas monde pour montrer moi je suis ceci, j'ai telle connaissance, j'ai tel niveau. Non, c'est Yawm al-Qiyamah. Quand tout le monde sera présent devant Allah subhanahu wa ta'ala, ce jour-là, on saura c'est quoi l'intérêt, l'avantage et les mérites d'être parmi les gens de Nasir Haq bil-Haq. Alors, il dit Wal-Hadi Ashur. والحادي والعشرون دونك 21 مريت alors أن في الأذكار اللازمة للطريقة صيغة من صيغ الاسم الأعظم دونك parmi dans le لازم que l'on fait le matin et le soir. Et la wazifa, les azkar que l'on fait, qui sont obligatoires, il y a une forme du nom suprême, Ismullah al-Adam, qui est caché. Donc celui qui fait le lazim et qui fait la wazifa, d'une certaine façon, il récite en même temps le nom suprême, sans le savoir. 22e mérite, في أذكار هذه الطريقة الاسم الأعظم الكبير الذي هو خاص به صلى الله عليه وسلم. Donc, et ça revient à peu près ce qu'on a dit sur le numéro 21. Il y a une forme du nom suprême qui est inclus dans dans le zikr que l'on fait, le wird et la wazifa. Et ce nom suprême, al-khas, du maqam Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, qui est réservé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est pas tout le monde qui peut le savoir. Donc le Tijani, même s'il le sait pas, quand il fait le zikr le matin et le soir et la wazifa, il récite en même temps ce nom suprême sans le savoir. Alors, 23e mérite, أن أحدهم
aminuna min as-salb. Parmi les tijani, il y en a qui sont rassurés du salb. Salb, c'est le fait de faire, quand quelqu'un fait une erreur ou quand il manque de discipline devant un autre wali qui est supérieur que lui et que ce wali le dégrade. Salb, c'est une forme de dégradation que peut subir un wali ou quelqu'un qui avait un certain niveau de lumière. Mais il dit que dans la Tijaniyya, il y en a parmi les disciples de Sayyidina Charmé de Tijani, radiallahu anhu, ils sont immunisés contre le salb, donc personne ne peut les dégrader. Personne. Alors, il 24e mérite, أن لكل واحد من أصحابه رضي الله عنه فردا فردا حظا من ثواب الاسم الأعظم الكبير. Parmi les tijani, chaque tijani, il a une part de la récompense de ismu lahi al-azam. Chaque tijani. Dès lors que tu es tijani, même si tu ne connais pas le nom suprême, chaque jour, tu as une part qui t'est réservée. Donc, ça explique tout. Ça explique tout. Ça explique que le tijani, même s'il est très petit, il peut dépasser les grands awliya. Alors, 25e mérite, annahum yanaluna min thawab al-azkar al-aliya min al-ism al-a'dham al-kabir. Donc, wa ma dunuhu ما يناله منه أكبر العارفين. Donc, parmi les tijani aussi, les disciples tijani aussi, ils obtiennent la récompense des zikrs des zikrs élevés et qui concernent les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala suprême, les noms suprêmes. Ils ont une part que même d'autres awliya qui peuvent être des qutb n'auront pas durant toute leur vie. Alors, il dit que 25e mérite, et là on va s'arrêter là, أن الله سبحانه وتعالى يعطيهم من عمل كل عامل. Allah سبحانه وتعالى donne aux tijani sur l'œuvre est l'acte de toute personne, tout croyant, que ce soit une farida, une œuvre obligatoire, acte obligatoire, ou nafila, que ce soit un acte surérogatoire, alors le tijani, il a une part de ce que l'autre musulman il a fait. Donc même si, parce que ce point-là, ça provoque beaucoup d'incompréhension chez certains qui ne connaissent pas bien la tariqa tijaniyya. Comment est-ce qu'on peut passer la nuit à dormir et un autre qui passe la nuit à prier et que toi le lendemain tu as plus de récompense que lui qui était en train de prier et que cette récompense tu l'as parce que lui il priait. On lui donne 1000 et toi on te donne 100 000. Donc ça c'est un point qui est très difficile à comprendre chez ceux qui ne sont pas dans la tijaniyya. Mais toujours comme on l'a dit depuis le début, inna al-fadla bi yadillahi yutihi man yasha wallahu wasi'un alim. Les faveurs c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il donne les faveurs à qui il veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il a, masha'Allah, c'est immense, immense, immense. Et c'est pour ça que Sayyidina Cheikh il dit, قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُ وَرَضَاهُ وَعَنَابِي كُلُّ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا سَالِحًا مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ وَتَقَبَّلَ مِنْهُ يُعْتِينَ اللَّهُ وَلِأَصْحَابِنَا عَلَى ذَلِكَ الْعَمَلِ أَكْثَرَ مِنْ 100,000 ضِعْفٍ مِمَّا يُعْتِي صَاحِبَ ذَلِكَ الْعَمَلِ. Allah, il nous donne par rapport à ce que l'autre, il fait, une part
qui dépasse 100 000 fois que ce que l'autre il a fait. Donc ça aussi c'est très difficile à comprendre, mais comme d'habitude on ne le comprend pas avec la tête, on le comprend avec le cœur. MashaAllah, qu'Allah il nous ouvre les cœurs. Yeah. Donc on va s'arrêter là en ce qui concerne les mérites de la Tijaniya, et en demandant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous maintient dans la tariqa Tijaniya, et qu'Allah nous ouvre les cœurs, Allah nous facilite aussi à continuer à aimer Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani sallallahu ta'ala anhu, et à être aussi parmi ceux qui contribuent à la propagation de l'œuvre de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani sallallahu ta'ala anhu. Parce que pourquoi la propagation? Propagation, c'est différent de parce que dans la tariqa, il n'y a pas de propagande. Propagation, c'est différent de propagande. Parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que personne parmi vous n'aura vraiment la foi que lorsque ce qu'il veut pour lui, il le veut pour son frère. La yumina ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Donc, quand on voit nos frères musulmans, mashallah, ce que nous avons en lumière, en hasanat, en baraka, eh bien, on le souhaite. On aurait souhaité que tous les musulmans puissent en profiter et que tous, mashallah, ils soient proches du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et que yawm al-qiyamati aussi, que tous on fasse partie des voisins du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sukuna humu fi dari aliyina mujawirina غير المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر حق الحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يوم القدر العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله أنك يلا بارك الله أنك يلا بارك الله ما شاء الله بارك الله يان ستيون شريف ما يم يرينا بسم الله ما جوكن برام ما يريا شوت جان ستيون شريف ما يم يرينا بسم الله ما جوكن برام ما يريا شيخ جان ستيون شريف ما يم يرينا بسم الله ما جوكن برام ما يريا الجزائر يلا يوبك مغرب متد فاس والله بسم الله ما جوك نبرامي ما يريا شيخ جان ستيون الشريف ما يام يرينا سمام غني من تفاتي مايك دي مامم challalam di murango dengul dengul wallahi bismillah ma jokan barami may yureya shekhti jan sotiyan jan sheikh mayam yureyna samam gani yonem te fatima ki di mamam challalam di murango dengul dengul wallahi bismillah ma jokan barami may yureya شاوتي جاسك يا من شريف